Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir aux internautes qui sont, j'espère, nombreux pour venir assister de loin à la conférence, à la carte blanche d'Yves Agide. Alors, avant de vous présenter Yves en quelques mots et de présenter sa conférence, je vais vous indiquer que le 19 décembre, l'organisateur, c'est M. Daniel Kunt, ici présent, secrétaire général de l'Union rationaliste, qui a invité le professeur Daniel Handler, mathématicien, philosophe, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, fondateur du département d'études cognitives de l'ENS, et qui va parler. Alors, il a un livre récent qui s'appelle Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme. Et sur le titre de sa table, de sa carte blanche, c'est Où placer l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'intelligence naturelle. Donc, Yves Agide est neurologue, professeur des universités. Il a fondé et il a dirigé l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qu'on appelle maintenant Institut du cerveau, et qui se trouve à la Salpêtrière. Il est membre de l'Académie des sciences. Et donc, il est spécialiste des maladies neurodégénératives. Il a écrit un certain nombre de livres, Le cerveau, L'homme subconscient, le cerveau et ses erreurs, L'homme glial, Je m'amuse à vieillir, Le cerveau, machine à inventer. Alors, c'est justement de ça dont il va parler. Je marche donc, je pense. Moi, j'ai trouvé ça, le titre amusant. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler du cerveau qui trouve ou qui cherche et qui, de temps en temps, réussit. Bon, merci Yves. Mais avec plaisir. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci à vous d'être présents. Alors, merci aux internautes aussi, hein, si on a, c'est très bien. Moi, je suis très content d'être là. Je suis là parce que Jean vient assister régulièrement aux conférences que nous organisons dans notre Institut du cerveau tous les mois. Ce sont des conférences grand public. Et c'est un fidèle. Et merci, Jean, en tout cas, pour cette invitation. Et merci à vous d'être présents. Alors, simplement, vous voyez que vous avez devant vous cette image, ce dessin-là. Je fais des petits dessins. Hein. Alors, vous voyez, il y a un personnage qui dit « Est-ce que c'est un bon étudiant ?» Et il y en a un autre qui est plus petit, qui est probablement l'étudiant, qui dit « Comment fait-on pour avoir le prix Nobel ?» Et ça, c'est la question que tous les scientifiques se posent qui ont eu des responsabilités dans un laboratoire. C'est-à-dire, est-ce, quand on voit un étudiant, est-ce qu'il va faire quelque chose de bien dans mon laboratoire ? Est-ce qu'il est créatif ? Est-ce qu'il a les qualités pour être un découvreur ? Plus qu'un chercheur, il faut que ce soit quelqu'un qui fasse des découvertes. Et l'étudiant, lui, il va voir des directeurs de laboratoire. Il n'a absolument aucune idée de ce que c'est que la recherche. Et je vais aller voir M. Dupont parce que je l'ai vu à la télévision. Et une fille dira, oh, il est beau garçon, et puis, etc., etc. Et c'est quelque chose de tellement important pour notre université, pour les grandes écoles aussi. Comment recruter des bons étudiants ? Comment recruter des étudiants qui sont créatifs ? Alors, justement, le sujet, c'est de parler un petit peu de la créativité, même d'en parler beaucoup. Et la créativité, c'est trois choses. La créativité, c'est faire du nouveau qui a de la valeur, n'est-ce pas ? On peut décrire ça comme ça, pour simplifier. Mais il y a trois manières d'être créatif. Il y a la découverte. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais l'Amérique était là, elle a toujours existé. Donc c'est notre propos à nous autres, scientifiques, de découvrir ce qui est inapparent. C'est de ça dont je vais parler. Mais il y a une autre façon d'être créatif, c'est l'innovation. L'innovation, ce n'est pas comme la découverte, c'est quelqu'un qui améliore l'existant. C'est le travail des ingénieurs.
les ingénieurs qui ont une machine. Par exemple, je viens d'apprendre dans notre institut, on a acheté un microscope tridimensionnel qui est magnifique, etc., qui a une discrimination 10 fois supérieure à celui qu'on avait avant, avec un prix qui dépasse l'imagination, c'est terrible. Et c'est la même chose pour les astrophysiciens qui développent des télescopes de plus en plus puissants qu'on envoie dans l'espace, etc. Donc, on dépend des technologies, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Entre parenthèses, n'hésitez pas à poser des questions, puis on fera plein de questions après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on échange. La découverte, l'innovation, mais le plus important, c'est l'invention. C'est l'artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui crée à partir de rien. Vous pouvez faire un tableau, vous pouvez composer, vous avez une guitare, n'importe quoi, un piano, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. Eh bien, finalement, un bon chercheur, c'est les trois. C'est quelqu'un qui veut faire des découvertes, mais il est obligé d'innover. Et il faut surtout qu'il soit inventeur. Il faut que... Moi, je pense, j'y reviendrai, ce sera peut-être un peu la conclusion. C'est-à-dire qu'un grand chercheur, le vrai découvreur, je vous dirai tout ça à la fin, comment j'ai fait pour faire tout ça, c'est quelqu'un qui a des capacités d'invention formidables. C'est quelqu'un qui pense différemment, c'est quelqu'un qui pense autrement. Ce sera un peu la conclusion de ce petit topo. Alors, l'idée que j'ai en tête, c'est de vous parler du cerveau, de dire comment est-ce qu'on fait une découverte. Et pour le faire, je le ferai en 3 temps. D'abord, je dis comment ça se passe quand on fait une découverte. Quelles sont les étapes décrites? La deuxième chose que je ferai, c'est quels sont les déterminants, je le ferai rapidement, ça. Quels sont les déterminants de la découverte? Ben, il y en a 3, c'est le contexte, bien sûr, le contexte scientifique, politique. Hein, s'il n'y a pas d'argent, bon, on ne peut pas faire de recherche. Deuxièmement, peut-être le plus important, c'est la technologie, on vient d'en parler. Et la troisième chose, c'est quand même important, c'est la personnalité du chercheur. Donc je me permettrai d'insister un peu sur ce troisième petit point. Et puis, je finirai par essayer de vous dire grossièrement, de manière très simplifiée, mais on pourra entrer dans les détails après, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on fait une découverte? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Voilà, c'est les 3 étapes. J'insisterai sur la première, plus rapidement sur la seconde, puis on pourra débattre sur la dernière qui est... où on parlera un peu du cerveau. Alors, premièrement, comment ça se passe quand on fait une découverte? Eh bien, il y a en gros 4 étapes, si vous voulez, classiquement, hein, c'est décrit partout. Moi, je l'ai compliqué, parce que j'ai écrit un bouquin là-dessus, parce qu'on peut rentrer dans les détails, je vais essayer d'ailleurs de le dire. On s'étonne, on recherche, on trouve, on a une illumination, et on vérifie, on valide. C'est les 4 étapes essentielles. Je vais commencer par l'étonnement. Alors, nous sommes en 1610. Nous sommes à Padoue. Galilée est au courant des découvertes des pensées de Copernic. Je crois que c'est dans les années 1860, par là, 70. Et lui, c'est 1610, hein, c'est longtemps après. Il est convaincu par l'opinion de Copernic. Et vous savez que c'était un travailleur acharné. Et il se trouve que c'est un homme qui était assez pratique. Il était professeur de mathématiques. Hein. Et donc, à Padoue, il travaille au contact des ouvriers du verre. Et avec l'aide des ouvriers du verre, il arrive à construire une lunette astronomique. Et là, j'avais lu ça, je me souviens. Moi, je ne suis pas du tout, comme vous avez compris, astronome, qui grossissait 7 fois. Et moi, je me souviens, j'ai raconté à Jean, quand j'avais 13-14 ans, avec un copain, on avait construit une lunette astronomique. Effectivement, on voyait bien les planètes, en mettant des lentilles, quoi, les unes après les autres, selon les lois de Descartes, en gros, je crois, à peu près. Et puis, on arrivait à voir des choses. En fait, c'était la même chose, je crois, à peu près que notre ami Galilée, quand même, qui a fait une découverte absolument extraordinaire. Et la découverte, la voilà. Il regarde Jupiter, là, vous voyez, c'est Jupiter. Ça, c'est Galilée, en bas, là. Et devant Jupiter, il voit qu'il y a 4 petits points brillants qui apparaissent, qui viennent là, puis ils disparaissent, et puis quelques temps après, ils réapparaissent, etc. Donc, il dit, en fait,
ce sont des planètes qui tournent, j'espère que je ne dis pas de bêtises, hein, ce sont des planètes qui tournent autour de Jupiter. Et il en est évidemment de même pour la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est-à-dire confirmant la loi, la vision héliocentrique de Copernic. Alors c'est une découverte majeure, comme vous le savez. On peut se poser la question, qu'est-ce qui a fait que Jupiter, ici, s'est étonné? Son étonnement venait du fait qu'il y avait une inadéquation entre ce qu'il observait, là, les planètes qui tournent autour de Jupiter, et ce qu'on enseignait à l'époque, puisque la Terre était le centre du monde, etc. Alors, vous me direz, c'est une découverte, évidemment, qui a transformé la pensée humaine, hein, fondamentale, 1610, mais on peut se dire, mais pourquoi il a fait ça? En fait, il l'a fait parce qu'il avait une idée préconçue. Il avait le pressentiment de ce qu'il allait trouver parce qu'il avait vu que Copernic, il était convaincu par les opinions de Copernic. Donc, il avait une idée préconçue. Mais il arrive aussi qu'on fasse une découverte sans idée préconçue. Alors, je vous en donne un exemple qui est plus proche de moi. C'est un copain à moi, en fait. C'est l'affaire des neurones miroirs. Vous avez peut-être entendu parler des neurones miroirs. Et voilà. Alors, vous voyez un neurone devant ce qui se voit dans un miroir. Bon. Ça se passe cette fois-ci à Parme. On est en 1990. Et Giacomo Rizzolatti, qui est un excellent chercheur italien, là-bas, travaille sur la physiologie du mouvement. Donc, il travaille sur un animal qui est en fait un primate, qui a une électrode qui enregistre une cellule dans un endroit particulier, et il demande au singe de faire un mouvement, d'attraper un objet. Et puis, il fait son travail, etc. Et puis, chaque fois que l'animal fait le geste correctement, on le récompense, comme on fait avec les petits-enfants. On lui donne une cacahuète. Et à ce moment-là, il remarque que quand on donne la cacahuète au singe, le neurone s'allume. Alors, vous savez, on peut amplifier les neurones et on les entend, ça fait pshhh, silence. Dès qu'il est, il s'active, le singe met la cacahuète à la bouche, pshhh, il arrête, ça s'arrête. Autrement dit, il y a une cellule qui répond au fait d'avaler la cacahuète. La matinée se passe. Il m'a écrit, c'est assez, mais il m'a tout raconté, son truc. Je l'ai publié dans le bouquin sur le subconscient, d'ailleurs. Sa lettre en anglais, elle est absolument remarquable. Et il quitte l'endroit où il travaille avec le singe. Il sort un tout petit peu dans la pièce à côté, mais il voit le singe toujours. Bon, c'est l'heure du déjeuner, et il prend un sandwich. Et il prend le sandwich, il le met à la bouche, et à ce moment-là, dans la tête du singe, j'entends pshhh. Alors il remet, il refait le même geste, pshhh. Alors ça aurait pu être considéré comme un artefact, une connerie, une pensée miraculeuse. Non, il s'est dit, là, c'est bizarre, ça. Tout se passe dans la tête du singe, au fond, comme s'il avait une représentation mentale de ce que je fais. Comme s'il pouvait, ces cellules-là, pouvaient inférer ce qui se passe dans la tête de l'autre. Alors les psychologues, on parlait tout à l'heure, évidemment, on bondit, la théorie de l'esprit, l'empathie, qui consiste, c'est pas comme la compassion, qui veut dire qu'on souffre avec, l'empathie, c'est se représenter un peu ce que pense l'autre. C'est quand même intéressant, c'est le problème de toutes les interactions sociales, la psychologie sociale est emplie de tout cela. Alors cette histoire de ces neurones qu'il a appelés les neurones miroirs, c'est une découverte tout à fait étonnante qui a un retentissement, à mon avis, pas validé, mais bon, je ne suis pas suffisamment compétent pour l'affirmer, mais enfin, c'est quand même une découverte qui n'a rien à voir avec la découverte de Galilée, mais c'est quand même une grande découverte dont on a parlé, il y a eu une littérature là-dessus incroyable. Mais dans ce cas-là, il n'y avait pas d'idée préconçue, il travaillait sur autre chose, sur toute autre chose. Donc c'est vraiment, il a été étonné et il s'est dit, c'est bizarre, pourquoi c'est comme ça?
Donc l'étonnement peut être avec une idée préconçue ou sans idée préconçue, cette première phase de la découverte, mais que l'idée, que cet étonnement se fasse avec ou sans idée préconçue, ça revient à peu près au même. Le problème, c'est que cet étonnement, c'est la phase liminaire du questionnement. Dans les deux cas, l'autre qui voit ses planètes qui tournent et lui, oui, dans toutes les découvertes, hein, c'est comme ça, en fait, il y a un questionnement. C'est-à-dire que le scientifique ne se dit pas « Oh, ben, c'est comme ça, parce que c'est comme ça, bon, ben, ça tourne, ok. » C'est ce que pourraient se dire la plupart des gens qui n'ont pas l'esprit scientifique. Mais là, le scientifique, il se dit « Pourquoi c'est comme ça ?» Il se pose une question. Et il se pose un questionnement, dans ces deux exemples très typiques, juste pour vous dire une chose, Rizzolatti lui a fallu 4 ou 5 ans pour confirmer ce qu'il avait de travail. Parce qu'une fois qu'on a fait le vu une fois, ça peut être un artefact, n'importe quoi. Et donc il faut vraiment le démontrer après. Ce qui suppose, j'en parlais, une recherche extrêmement laborieuse. Par conséquent, avant de se lancer dans cette recherche laborieuse, vous posez le questionnement consciemment, en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais en même temps, il faut être convaincu. Je pense qu'il y a beaucoup de découvertes qui ne se font pas parce que les gens se disent « ben oui, je ne comprends pas, c'est pas normal, ça devrait... » Mais vous n'allez pas lancer, vous êtes sur un sujet de travail, vous n'allez pas complètement changer de sujet de travail juste parce que vous avez observé quelque chose de bizarre. Si, on peut le faire. Et donc, c'est là le problème, c'est qu'il faut que le questionnement soit suffisamment fort et aussi important pour qu'on soit convaincu. Et ça, c'est un truc important, c'est que les scientifiques ont besoin d'avoir des convictions. Alors, il faut qu'il y croit. Mais la croyance du scientifique, ce n'est pas la croyance comme la foi ou comme les stupidités qu'on entend ici dans le milieu complotiste. Tout le monde peut dire n'importe quoi. La Terre est plate, elle a été créée il y a 4000 ans, etc. Bon, il faut qu'il y croie. Alors, la croyance du scientifique, c'est une croyance qui est fondée sur la raison. Et non pas l'inverse, ce qui est le problème des complotistes, entre parenthèses, c'est-à-dire de raisonner sur des croyances. Ah, je crois que c'est comme ça. Et alors, à ce moment-là, un bon raisonnement vous amène à ce moment-là, à dire n'importe quoi, éventuellement. Ça, c'est ce qu'on appelle, pour nous autres cliniciens, c'est ce qu'on appelle la paranoïa. La paranoïa, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement raisonner juste sur des bases fausses. C'est ce qu'on appelle un paralogisme. Alors, il faut être méfiant et particulièrement orgueilleux, en plus. Hein. Mais les paranoïaques, tout le monde en a connu, si je suis sûr. Je ne voudrais pas vous poser des questions maintenant, mais je suis sûr que des paranoïaques comme ça, des grands fous, on en a vu un, par exemple, dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, vous vous rappelez certains. Il y a même des hommes politiques qui nous embêtent parfois un peu par leurs convictions délirantes que vous connaissez, c'est des grands parano. Quoi. Donc voilà, l'étonnement, c'est ça. Il y a eu un questionnement intéressant avec un raisonnement important, mais il faut être aussi convaincu. Donc tout ça, c'est bien. La question, c'est une question philosophique, au fond, c'est est-ce que cette conviction et cet étonnement, il naît du hasard ? Alors vous me direz, il n'y a pas de hasard. Je suis devant des scientifiques qui sont ici spécialistes de mathématiques, d'astrophysique. Évidemment, il n'y a pas d'effet sans cause. D'ailleurs, les philosophes, Spinoza, pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là, beaucoup écrivent la chose. Et ne croyez pas que je sois philosophe, mais je sais un tout petit peu ces trucs-là. Voilà. Et il arrive en effet que, quand même, on fasse une découverte par hasard. Et je voulais vous en donner une, je la trouve intéressante. Est-ce que vous connaissez ces formules ? Ça vous dit quelque chose ? Ça, c'est l'urée. Et ça, c'est le cyanate d'ammonium, je crois. Bon. On est en 1840, je crois, à peu près. Il y a un jeune scientifique allemand, chimiste, qui met à ébullition du cyanate d'ammonium.
Et il obtient de l'urée. C'est banal, hein. Ça paraît évident. On fait faire ça aux étudiants aujourd'hui, au PCB, là, la première année de sciences. Ça s'appelle plus PCB, pardon. Et donc, c'est peut-être la plus grande découverte de tous les temps, parce que je vous rappelle que c'est la première fois qu'à partir d'une substance inerte, le cyanate d'ammonium, on crée une substance qui est produite par l'organisme vivant, par nous. On produit de l'urée. Dès qu'on bouffe des protéines, des acides aminés, on produit de l'urée. Mais ça mettait à bas ce que tout le monde croyait. C'était l'époque du vitalisme, où on pensait que les êtres vivants que nous sommes étaient créés par Dieu et leur existence, leur élan vital, leur fonctionnement étaient dus à une force vitale mystérieuse. Il n'y avait plus de mystère. Le vivant dépendait de l'inerte. C'était le milieu du 19e. Hein. Aujourd'hui, ça paraît néant, mais c'est simplement, je le trouve intéressant parce que c'était un chimiste qui... mais il prend du cyanate d'ammonium, une poudre, il la met à ébullition, il obtient de l'urée. Bon, c'est simple. D'ailleurs, les grandes découvertes, c'est toujours des choses très simples. Donc ça, c'est vraiment un hasard. Il cherchait tout à fait autre chose. Mais c'est vrai que la plupart des découvertes ne se font pas par hasard, comme vous savez. C'est l'histoire des esprits bien préparés, vous vous rappelez, de Pasteur. En fait, où Claude Bernard a beaucoup écrit là-dessus dans son merveilleux traité sur la méthode expérimentale, on sait très bien qu'en fait, on ne trouve que ce qu'on cherche. Hein, voilà. Mais, par exemple, Claude Bernard, juste pour vous dire un truc, il passait d'un sujet à l'autre, et puis il reprenait 10 ans après un truc. Il avait toutes ses idées, les questionnements en tête, puis de temps en temps, il faisait l'expérience parce qu'il avait une idée. Quoi. C'est un peu comme ça, je résume un peu comme ça. Je ne sais pas, pour vous, c'est des expériences tellement lourdes que c'est peut-être un peu différemment, mais enfin, je suis quand même persuadé que le hasard joue un rôle important. Non, tu ne crois pas. D'accord. Alors, on arrive à la deuxième phase du déroulement d'une découverte, c'est-à-dire la recherche proprement dite. Vous vous êtes posé une question, vous êtes convaincu qu'il faudrait, mais il faut quand même faire les expériences pour prouver votre hypothèse. C'est une construction que les chercheurs connaissent bien, qui est extrêmement laborieuse, difficile, time-consuming, et qui est bien souvent décevante. Ça peut durer des années, ça peut durer des décennies. Ça peut durer des décennies, des gens qui travaillent sur un sujet et qui vont finir par trouver la chose. Ça peut durer des décennies par un chercheur qui ne trouvera jamais rien. Toujours sur le même sujet. C'est vraiment un métier de fou que celui d'être scientifique. Et alors, je vous citais là, j'ai fait un petit dessin de... Vous voyez qui c'est ? Je ne sais pas si ça ressemble, c'est Henri Poincaré. Il ressemblait un peu à ça, Henri Poincaré. Mais immense mathématicien, c'est, je trouve, les mathématiciens ont beaucoup réfléchi au mécanisme de la découverte. Je vais y revenir à propos de Raymond Poincaré aussi. Mais il disait, l'accumulation, je le dis mal, mais l'accumulation de faits scientifiques ne fait pas plus la science qu'un tas de pierres ne fait une maison. Hein, bon, c'est pas parce que vous accumulez l'expérience, il faut quand même qu'il y ait des idées derrière. Il faut de l'intelligence. On va en reparler après. Sauf que c'est une bonne formule à dire aux étudiants, ça. Parce que souvent, les étudiants font les expériences. Ah, là, j'ai fait ça. Vous travaillez sur quoi ? Je travaille sur la mitochondrie. Ah bon, très, très bien. Et qu'est-ce que vous faites ? Je fais des expériences. Ils ne savent même plus pourquoi ils les font. C'est un vrai problème. Hein, un vrai problème. D'où là le rôle, quand même, d'un directeur de laboratoire. Donc voilà, maintenant, cette recherche, on l'a fait, évidemment, le plus souvent, de manière consciente. Et là, je vous raconte l'histoire du vaccin Covid, que vous connaissez peut-être. Cette dame-là, c'est Cataline Carico. C'est cette Hongroise qui, en 1985, travaillait en Hongrie. Elle travaillait sur l'ARN, parce qu'elle travaillait dans un labo, vous savez, comme ça. Elle voulait utiliser l'ARN. Et elle faisait des publications auxquelles personne ne croyait, en tout cas qui jetaient la suspicion. Pourquoi ? Parce que l'ARN
dès qu'on le met dans l'eau, ça se dissout, ça disparaît. C'est très fragile, c'est une molécule extrêmement fragile. En plus, si on l'injecte en grosse quantité, ça donne des inflammations, etc. Donc, les gens se disaient, on ne pourra jamais faire quoi que ce soit avec l'ARN. Elle a insisté, et au début des années 2000, elle est partie aux États-Unis, et elle a rencontré un type qui s'appelle Drew Weissman, qui était immunologiste, et elle a fait une chose... Ah, bah, je parlais... Ah, merde, pardon, excusez-moi. Elle a... Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a transformé cet ARN messager ici, vous voyez. L'ARN, je vous rappelle, ceux qui ne savent pas, c'est produit à partir... Ah, mais décidément. À partir de l'ADN, du chromosome, c'est ce qui va donner toutes les protéines de notre corps, c'est-à-dire ce qui fait vivre notre organisme. Et c'est un intermédiaire, très fragile, encore une fois. Et elle a transformé la formule de l'ARN par des moyens de chimiques, simplement, en rajoutant des petits bouts, en retirant des petits bouts, de façon qu'elle garde toujours ses propriétés, mais qu'elle ne soit pas dissoute immédiatement dans l'eau. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ce vaccin. Je rappelle qu'il y a eu quand même plus de 20 millions de morts par le Covid-19 dans le monde. Et si on n'avait pas eu le vaccin, alors c'est un sujet que je connais un tout petit peu comme ça, il se trouve que on aurait eu des centaines de milliers de morts ici, c'est évident. Voilà. Donc c'est une très belle histoire et quelqu'un qui s'est accroché de manière consciente en disant « je veux y arriver, je veux y arriver, je veux y arriver ». Mais en réalité, la plupart des découvertes se font de manière inconsciente. Alors il faut savoir que dans le cerveau, vous avez ici... Pensez peut-être que c'est une paire de fesses, mais non, c'est un cerveau schématisé. Et là, vous avez un iceberg. Au fond, dans le cerveau, vous avez deux parties. Une toute petite partie consciente, c'est le sommet de l'iceberg. Et l'essentiel de notre vie est inconsciente. Alors, je l'ai déjà dit, on en a parlé tous les deux tout à l'heure. C'est très important. Il faut savoir, c'est pour dire deux mots du cerveau, mais ça passe tout seul. Le cerveau, c'est un peu moins de 3 livres. Il y a 100 milliards de neurones, il y a autant de cellules en plus, donc il y a 200 milliards de cellules là-dedans. Et cette masse, cette machine vivante et qui pense, en réalité, elle consomme 10 fois plus d'énergie que tous les organes du corps. 10 fois plus, c'est comparer une Ferrari, une voiture de course avec une deux chevaux. Hein. 10 fois plus. Et même plus... Le cerveau, il agit avec cette énergie-là, nuit et jour. C'est continu, depuis que vous êtes né jusqu'à encore aujourd'hui et jusqu'à la mort. C'est fou. Or, que fait le cerveau? C'est une machine qui est faite pour penser, qui est faite pour avoir des émotions. C'est ça, le but de cette machine. Elle perçoit l'environnement, ça nous donne des pensées, des émotions, puis on agit en retour sur l'événement. Si vous voulez, on reparlera de ces choses-là après. Par conséquent, comme on est conscient seulement quelques minutes par jour, par exemple, je suis conscient d'être devant vous, là, mais jusqu'à... Par moment, j'ai eu conscience que vous étiez là, mais quand je parle, souvent, je pense à ce que je fais, mais je ne suis pas conscient que vous êtes là. Donc on est conscient très peu de temps par jour. N'est-ce pas ? Peut-être les philosophes, je ne sais pas, mais je pense qu'on est conscient peut-être... Allez, déjà, il y a la nuit, on n'est pas conscient. On est conscient peut-être une heure par 24 heures. Quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend des gens, probablement. Peut-être deux heures, peut-être cinq minutes, ça dépend. Donc l'essentiel de la vie, puisque cette machine produit de la pensée tout le temps, ça veut dire que la machine produit des pensées et des émotions tout le temps, mais on n'en est pas conscient. C'est ça que ça veut dire. Et je vais vous en donner une preuve, par exemple, qui sera le rêve, par exemple. Donc, c'est les mathématiciens qui ont attiré l'attention sur le fait que les découvertes se font de manière inconsciente. Et l'exemple le plus classique que beaucoup connaissent, c'est justement Henri Poincaré, qui cherche son fameux théorème. Comme vous savez, il a eu le prix Nobel pour ça. Je crois qu'après, il s'est dit... Enfin, je ne veux pas raconter ça. Et puis, il raconte qu'il a eu la solution de son théorème, après avoir cherché consciemment... Des mois et des années, en montant dans l'omnibus à Coutances. Alors, je ne sais pas si vous savez, Coutances, c'est en Normandie.
Il monte dans l'autobus, tac, et puis, ça y est, il a l'idée. Aussitôt, il garde l'idée en tête et il rentre chez lui, il écrit son théorème. Par conséquent, entre le moment où il s'est posé la question du théorème pour essayer de le résoudre et le moment où il a mis le pied dans l'autobus, il s'est passé un travail dans son cerveau qui était inconscient. Il n'était pas conscient quand il est monté. Il pensait à toute autre chose. Il voulait monter l'autobus. Autrement dit, l'essentiel des découvertes se fait de manière inconsciente. Je vais vous en donner un exemple très classique. Regardez-moi. Vous connaissez... je voudrais vous parler de madame... Ah, c'est idiot, je ne retrouve plus le nom, là. Madame... ou monsieur... je ne trouve pas. Voilà, ça vous arrive tout le temps. On cherche le nom de quelqu'un, on ne trouve pas. Et le soir, en mangeant votre soupe, ah, Dupont. Ça vous arrive, ça nous arrive tout le temps, ça. Ça veut dire qu'entre le moment où vous avez cherché le nom et le moment où vous avez, vous êtes en train de manger votre soupe, en train de discuter avec votre famille ou je ne sais pas quoi, tout d'un coup, il y a eu un travail qui s'est fait de manière inconsciente, forcément, puisque vous avez la réponse. C'est une logique irréprochable, hein. Donc, il faut comprendre que l'essentiel du travail de la recherche se fait, le questionnement est conscient. Le voilà, par exemple. Ici, vous avez, vous voyez, sur ce schéma, vous avez un trait horizontal. Au-dessus, c'est tout ce qui est conscient, et en dessous, c'est tout ce qui est inconscient. C'est une image, hein, pour comprendre. À gauche, vous avez un petit cube. C'est la question que vous vous posez. Voilà. Je voudrais démontrer que ce cube est un dé. Vous allez avoir la réponse après. Donc vous posez la question, et à ce moment-là, la question, elle rentre dans votre inconscient, qui n'est pas l'inconscient freudien, hein, mais c'est quelque chose dont vous n'avez pas confiance, c'est le travail. Et là, cette question se mélange avec plein d'autres questionnements, images les plus diverses, pensées, émotions diverses, qui fait que c'est comme un mouvement, moi je vois ça comme un chaos, comme un mouvement brownien, ça bouge là-dedans, là-dedans, là-dedans. Puis à un moment, surtout si le questionnement est déterminé, si vous avez une question forte, et si vous avez des neurones qui sont déterminés à trouver la solution, à un moment, comme l'oubli bénin, paf, tout d'un coup vous avez la réponse, et vous n'y attendez pas du tout. Je pense que c'est ça, c'est un peu une hypothèse, vous me direz, Il faut le démontrer. Merde. Pardon, je dis merde comme ça, c'est pas très joli. Voilà. Donc, je crois que le message, c'est que la recherche se fait évidemment de manière consciente. Ce serait stupide de dire qu'on fait tout est inconscient. Il faut bien se poser la question consciemment. C'est idiot sans ça. Et puis, à un moment, vous avez la solution. C'est à nouveau conscient. Mais entre les deux, et ça, c'est un message, je trouve, qui est très important à avoir. Dans la vie courante, pour soi-même, mais aussi vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des formations que nous devons donner, c'est que l'essentiel du travail intellectuel et émotionnel se fait de manière non consciente. Donc voilà. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez donc votre solution, là, vous avez trouvé votre dé, vous avez la réponse à la questionnement que vous avez fait après un certain délai. Et il y a d'autres circonstances où ça se voit comme ça. Je donne l'exemple très classique de Thomas Edison. Vous voyez qui c'est, Thomas Edison, c'est l'inventeur de la lampe incandescente, je crois, et le fondateur de General Electric. Enfin, il paraît que c'était un inventeur absolument prodigieux, une immense des qualités d'inventeur. Alors moi, je l'ai dessiné là, voilà, avec sa lampe. Et puis, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait ses idées, disait-il, souvent au réveil. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'endormait exprès dans la journée, comme c'est ici. Vous voyez, il s'endort. Mais il mettait dans sa main une boule métallique au-dessus d'une casserole. Et au moment où il s'endormait, clap, il y avait relâchement, évidemment. Hein, relâchement quand on dort, pop. Et à ce moment-là, la boule tombait dans la casserole, ça faisait boum. Et à ce moment-là, il se réveillait. Et il était en train de rêver. Et à ce moment-là, dans son rêve, il avait parfois la solution à la question qui s'était posée. Il raconte ça, c'est absolument prodigieux, ça.
Il faut être un acharné quand même pour faire ça. Mais enfin, quand même. Alors voilà, donc finalement, vous avez votre réponse, mais vous avez travaillé, et puis à un moment, donc, vous avez eu la réponse consciente. C'est la troisième phase, c'est l'illumination. Alors l'illumination, je vais en parler comme si c'était Eureka et Archimède, c'est jamais comme ça en fait, hein, parce que ça se fait par petites touches, petit à petit, etc., etc. Peu importe, on en reparlera à la fin si vous voulez, c'est intéressant. Mais l'idée de la découverte, du coup de cœur que vous avez quand... Ah, et forcément, c'est comme ça. Alors, c'est un mathématicien dont j'ai souvent entendu parler, mais je ne suis pas compétent du tout en mathématiques, vous connaissez certainement, c'est vrai, qui s'appelle Wiles, très connu, qui raconte ça. Il dit, quand vous voulez faire une découverte, en fait, c'est comme quand vous rentrez dans une chambre noire. Vous voyez, sur la gauche, là, vous avez un cube, c'est une chambre noire. Vous rentrez dedans, et puis... vous êtes dans le noir, puis par tâtonnement, vous voyez là une armoire Louis XV, vous voyez un bureau, une table, une chaise, un pot de fleurs, etc. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui allume l'interrupteur. La lumière se fait. Et c'est ça la découverte. Avant, vous avez bossé, vous avez quelques idées, puis tout d'un coup, paf, ça vient. Je trouve que c'est une très belle image pour ce qu'on pourrait appeler l'illumination. D'ailleurs, c'est une illumination. Ça, c'est Boyle, si j'ai bien compris, c'est celui qui a découvert 300 ans après la fameuse conjecture de Fermat. Hein. Alors, on m'a expliqué ce que c'était la conjecture de Fermat, je suis incompétent. Mais enfin, voilà. Mais je trouve l'image assez jolie. Et alors, la question, simplement, qu'on peut se poser, c'est pourquoi, à un moment donné, quelqu'un voit ce que personne ne voyait ? C'est, je crois, Baruch qui disait « Tout le monde a vu une pomme tomber. Seul Newton, c'est pour ça que j'ai mis une petite caricature de Newton qui reçoit la pomme sur la tête, seul Newton s'est demandé pourquoi. » Il va de soi que ce n'est pas comme ça que Newton a découvert les lois de la gravitation universelle, évidemment. Mais enfin, quand même, si vous voulez, ça veut dire qu'on peut se poser la question « Pourquoi quelqu'un voit quelque chose que les autres ne voyaient pas. Pourquoi Jean va voir, dire, mais c'est comme ça qu'il faut faire, puis moi, je n'aurais pas vu. Pourquoi ? Alors, il y a une phrase que j'aime citer, que j'avais citée l'autre jour. C'est un philosophe que je ne connais pas, mais je connais de nom, évidemment, puis je connais sa citation qui est magnifique. C'est Schopenhauer. Schopenhauer disait, écoutez bien, ça, c'est intéressant. Il faut bien comprendre, elle est compliquée, la phrase. La tâche du scientifique n'est pas de voir ce que personne n'a vu, mais de penser à ce que personne n'a pensé à propos de ce que tout le monde voit. Je vous assure, c'est génial. Parce que pourquoi c'est génial ? Parce que c'est exactement ça. Moi, c'est comme ça que je ressens le truc. Alors, je le répète, il faut bien l'intuiter. La tâche du scientifique, voilà, les scientifiques, il y en a... n'est pas de voir ce que tout le monde, ce que personne n'a vu. Pardon, voyez, je me trompe. N'est pas de voir ce que personne n'a vu. Mais c'est de penser à ce que personne n'a pensé à propos de ce que tout le monde voit. Et vous voyez, moi, dans mon expérience, je peux en parler parce que je n'ai jamais fait de découverte dans mon labo. On avait un gros laboratoire. On a fait plein de petits trucs, des choses, beaucoup de publications, des choses, des petites découvertes, des petites améliorations. Mais on n'a jamais fait de grandes découvertes. C'est comme ça. Mais quand on a vraiment, quand on a eu le plaisir, parce que ça donne une satisfaction sublime d'avoir trouvé quelque chose, eh bien, ça, c'est exactement comme ça. Moi, quand j'ai fait des observations, je pourrais vous raconter, c'est surtout en tant que clinicien d'ailleurs, chez des malades, on voit un malade, je ne sais pas, par exemple, un malade qui a une maladie de Parkinson, on dit, c'est Parkinson, il est un peu particulier, parce que vous voyez, il fait ci, il fait ça. Et puis, on pense à quelque chose d'inhabituel chez ce malade et on fait la recherche qui va vous donner la solution. Donc, cette phrase de Schopenhauer, je vous la conseille, elle est super. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Puis, donc, on a vu que notre scientifique s'est étonné. On a vu que notre scientifique a cherché consciemment, puis inconsciemment. On a vu aussi qu'il a... et tout d'un coup, trouver la solution, une illumination, en fait, souvent en plusieurs étapes.
Mais le grand travail du chercheur, ceux qui ne font pas de recherche scientifique ne le savent pas souvent, c'est qu'il faut valider tout ce qu'on a fait. C'est un travail abominable. D'abord parce qu'il faut vérifier ce qu'on a fait. En plus, il faut le valider avec les journaux et tout ça, c'est l'horreur. Parce que pour publier une publication dans Science ou Nature, par exemple, il faut un an de travail. C'est dingue. Alors, j'aurais simplement dire, et j'en dirai pas plus, c'est que la vérification repose sur le doute. C'est une chose fondamentale en recherche. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un résultat, vous voyez un résultat quel qu'il soit, il faut avoir le doute pour se dire « Et si ça se passait autrement ?» Par systématiquement. Donc, il faut avoir le doute. En même temps, si vous avez trop de doutes, vous ne faites rien. Vous n'êtes sûr de jamais rien. D'ailleurs, moi, j'ai eu quelques profils dans mon labo, par exemple, où il y avait des gens qui, effectivement, qui étaient incapables de prendre une décision, qui avaient toujours le doute en disant « Mais alors qu'ils revérifiaient trois fois, quatre fois, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un peu des TOC, les gens qui sont obsessionnels, compulsifs, on les tous un peu, mais il faut faire attention. Le doute, c'est le moteur de la découverte, mais en même temps, ça peut être un blocage. Premier point. Le deuxième point, c'est la validation, c'est-à-dire c'est compliqué. Parce qu'une fois que vous voyez les résultats, il faut les publier. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Et plus votre résultat est original, si c'est une grande découverte, personne ne va vous croire. Mais il y a des raisons. Par exemple, vous rappelez pour l'histoire de Benveniste, qui avait été un de mes internes et dont je me suis beaucoup occupé à une certaine époque de sa vie. Il est mort maintenant. C'est l'inventeur de la mémoire de l'eau. C'était publié dans Nature, quand même, la mémoire de l'eau. Ça n'a aucun sens pour les physiciens. Donc ça a été retiré, etc. Donc c'était une découverte absolument énorme. Et si ce personnage était absolument persuadé d'avoir... il pensait que Einstein était un enfant de cœur à côté, probablement. Voilà, donc voilà un peu comment on fait cette découverte en quatre étapes. C'est un peu simplifié, mais c'est une manière pour moi de vous dire quelques mots du cerveau, puis de raconter quelques anecdotes. Alors on a une deuxième chose pour le doute, c'est qu'on a un vérificateur. Vous voyez ici, c'est un cerveau, là, vu de sa face interne, le corps calleux, peu importe. Dans le cortex frontal, ici, devant, à gauche, c'est le chef d'orchestre. C'est là que tout se décide, je vais y revenir. Et puis, vous avez juste derrière, le petit carré noir, là, c'est un détecteur d'erreur. C'est-à-dire une région qui vous donne un signal quand vous faites une erreur. Je racontais dans le petit bouquin que j'ai fait sur ce sujet, je racontais que j'avais envoyé un message un peu personnel, un peu trop personnel, que je voulais envoyer à ma femme, c'est parti aux impôts. Bon, c'est un peu gênant, mais à ça, je m'en suis tout de suite aperçu. Et ce qui m'a permis d'en apercevoir, c'est justement ce détecteur d'erreur. C'est juste pour vous dire qu'on a quand même dans le cerveau, c'est un exemple, c'est une machine prodigieuse, quoi. Voilà, je voudrais en finir avec cette première partie, que j'ai un peu détaillée, ça a donné quelques idées. Je serai assez bref sur la deuxième partie, c'est-à-dire les déterminants de la découverte. Bon, il est clair que les déterminants de la découverte, je vous l'ai dit, j'en parlerai pas, et le contexte, d'abord. Hein. Bon, donc, contexte scientifique. Par exemple, on fait toujours les grandes découvertes à la Renaissance. On a fait des découvertes... en physique, au début du XXe siècle, souvent ça suit des conflits. Et ça suit des grandes fluctuations comme ça. Je veux bien en parler, mais ce serait trop long, je ne vais pas en parler. En tout cas, il y a une chose que vous savez, c'est que ça dépend de l'argent, donc du pouvoir politique. Ça dépend aussi pour les étudiants du milieu scientifique où ils sont. Il y a des tas de laboratoires, il faut savoir, où on fait de la recherche qui est nulle. C'est normal, c'est comme dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises, il y a des gens qui sont nuls. Ou pas très fort. Ils font pas mal. Enfin, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche des gens qui vont vraiment... Voilà. Donc, le contexte, évidemment, fondamental. Deuxièmement, c'est la technologie. Je vais pas raconter ça, parce qu'on voit ça dans Science et Vie, dans Science et Avenir, etc., dans tous les journaux. Et dans tout... On parle des technologies, vous connaissez ça, en astrophysique en particulier ici, des progrès absolument fabuleux.
Eux, c'est dans l'infiniment grand, moi, c'est dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que je pense que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas faire de psychologie, c'est-à-dire d'étudier le comportement de l'homme normal ou de la neuropsychologie, le comportement anormal en cas de pathologie, sans savoir ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire, je parle dans le domaine de la recherche, ça veut dire qu'il faut aussi comprendre toute la physiologie du cerveau, les interactions cellulaires et la biologie moléculaire. C'est un continuum. Et les progrès de la psychologie, je pense, au XXIe siècle, ça, je me moule, et je suis assez... Enfin, je fais des petits billets d'humeur là-dessus, avec quelques amis psychologues, c'est de leur dire, écoutez, arrêtez de regarder le cerveau de l'homme en faisant seulement de l'IRM et des petits protocoles, c'est très bien, ça fait faire des progrès formidables, il faut continuer surtout à le faire. Mais il faut le faire en tenant compte, parce que ce que vous découvrez, il faut que ce soit en cohérence avec ce qu'on sait du fonctionnement cérébral. Sans ça, vous risquez de partir dans des interprétations. Voilà. Donc c'est pour dire simplement une chose, c'est que la recherche sur les fonctions mentales, donc sur le cerveau, elle est multidisciplinaire. Mais j'y reviendrai à la fin. Donc je vais vous parler du troisième élément déterminant, c'est-à-dire la personnalité des chercheurs. Dans le petit bouquin que j'ai écrit chez Albin Michel, là, je me suis amusé à décrire des gens que je connaissais, au fond. Hein. J'ai vu tellement de scientifiques dans ma vie, quoi. Et j'ai décrit, pour me marrer, hein, en faisant des portraits, des caricatures, le théoricien, l'obsessionnel compulsif, l'érudit, l'illuminé, l'hurluberlu, le mégalomane, le novelty seeker, le start-upper, l'ingénieux, c'est les ingénieurs, c'est les plus importants. Et en fait, les chercheurs, c'est une somme algébrique de tout ça. Alors, il y en a qui sont... voilà. Mais par exemple, je connais des théoriciens, des types qui sont complets, ou des érudits qui savent tout, qui sont absolument incompétents pour faire de la recherche. Ils sont bloqués. Parce que dès qu'ils voient quelque chose, oui, mais il y a l'argument contre, etc., on ne s'en sort pas. Je connais des hurluberlus, j'ai plein d'hurluberlus, c'est les plus créatifs. Ces types qui... Tout d'un coup, ils ont une idée, alors ça part, voilà, etc., etc. Et ça, je ne vais pas le décrire tout de même, mais je vais vous dire ce que j'ai fait, que j'avais raconté à Jean, d'ailleurs. C'est-à-dire, après avoir écrit tout ça pour essayer de comprendre comment on fait une découverte, je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je demande à des gens qui sont compétents. Qui est compétent pour parler de ces choses-là? Il y a d'un côté les philosophes. Il y a quand même beaucoup, les gens, beaucoup de philosophes. J'ai quelques copains philosophes, je leur ai demandé, posé deux questions, je vais vous dire. Et puis, j'ai la chance d'aller bien souvent à l'Institut de France, donc j'ai plein de copains qui sont académiciens, et qui sont des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des biologistes, etc., etc., des astrophysiciens. Et j'en ai choisi 50, parce que je les connaissais, et je leur ai posé deux questions, et aux philosophes pareillement. Quelles sont les qualités requises pour qu'un scientifique soit, pour qu'un chercheur soit un bon scientifique? Quelles sont les qualités requises pour qu'un chercheur soit un bon scientifique? Deuxième question. Quelles sont les qualités requises pour qu'un bon scientifique fasse une découverte? C'est pas facile hein, comme question. Le bon scientifique, puis celui qui va faire des découvertes. Alors, je vous ai résumé leurs réponses. C'est la meilleure partie de ce bouquin, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment intéressant, parce que j'ai mis les verbatims. Mais j'ai résumé ça comme ça. Le bon chercheur, il a 5 critères. Il est curieux, rigoureux, intelligent, obstiné et travailleur. C'est celui que j'appelle le performant conforme. Il y en a plein, on a tous comme ça. C'est une condition nécessaire, il faut être comme ça. C'est-à-dire qu'il faut bosser, il faut être tenace, vous voyez. Il ne faut quand même pas être trop con. Il faut être rigoureux. Et il faut être curieux. Si vous n'avez aucune motivation, ça ne va pas. C'est le performant conforme. Ce que j'appelle le géomètre. C'est, j'ai rien contre les géomètres, mais c'est rigoureux, c'est parfait. Et puis, vous avez le saltimbanque. Le découvreur, c'est le saltimbanque. C'est le performant, c'est le discoverer, là, le découvreur, qui est le performant, mais non conforme. Ça, c'est le saltimbanque.
J'ai une belle citation de Romain Gary sur le saltimbanque à ce sujet, mais je ne me la rappelle pas. Et alors voilà les 5 traits de caractère qui... Où est-ce que c'est ? Qui sont... Il faut être imaginatif. Ça paraît évident, hein, tout ça. Il faut être... Mais décidément, ça passe toujours tout seul. Il faut être audacieux. Il faut prendre des risques. Si vous faites de la recherche en disant « Ah ben, si A est égal à B, je veux, si B est égal à C, je vais démontrer que C est égal à A. » Ça, vous ne prenez pas trop de risques. Hein. Maintenant, si vous montrez que C n'est pas égal à A, là, vous prenez un risque énorme. Donc, il faut être audacieux. Il faut prendre des risques. Il faut être cultivé. C'est-à-dire que, bien souvent, nos étudiants, ils arrivent, ils travaillent sur une enzyme ou je ne sais pas sur quoi, les trucs du soleil, je sais pas quoi. Et puis, ils sont fixés là-dessus pendant 10 ans. Il faut quand même avoir une culture large, non seulement scientifique, mais aussi sociétale, philosophique. Il faut avoir une vision de l'importance, ne serait-ce que, c'est peut-être le plus important d'ailleurs, l'importance du questionnement qu'on se pose. Est-ce que la question... Moi, j'ai vu des gens, c'est incroyable, des scientifiques qui travaillent sur un petit détail dont on sait très bien que ça n'aboutira à rien. Pas tout à fait sûr. Parce que bien souvent, rappelez-vous, par exemple, les travaux de Grégoire Mendel sur les petits pois, je crois que c'est 1860, par là, il a fallu 35 ans après pour qu'on commence à y prêter attention. Il avait publié ça, personne n'y faisait attention. Ça avait été publié dans un petit journal en allemand, en gothique. Tout le monde s'en foutait. Voilà. Donc, il faut être cultivé. Il faut avoir donc de la mémoire. Je vous dis tout ça parce que je vais vous en parler un peu. Il faut être libre. L'absu formidable du CNRS, de l'INSERM, et même de la faculté, quand même, de nos universités, qui ne sont pas bons, à mon avis, mais ça, c'est un autre sujet, ne sont pas assez bons. On perd par rapport au reste du monde qui avance à toute vitesse, parce qu'on est toujours avec nos mêmes conservatismes, de mon point de vue. Mais on a une chance formidable, c'est la liberté. On peut faire ce qu'on veut à peu près, quoi. Ce qui n'est pas vrai pour l'ouvrier parisien, ou ce qui n'est pas vrai non plus pour quelqu'un qui monte une entreprise, des choses comme ça, ou quelqu'un qui est dans un gouvernement, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a des tâches qu'il faut arriver à faire. Voilà. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et la troisième chose, la dernière chose, c'est d'avoir de la chance. Et c'est ce que dit mon ami Gérard Berry, l'informaticien, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un type extrêmement marrant, qui disait toujours, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. Quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la chance. Quoi. Un peu. Alors ça, c'est une manière grossière de résumer tout ça, mais ça donne une idée. Et si vous voulez, moi, ça m'avait donné l'idée, pour nos étudiants, puisque c'était là ma question au départ, de se dire, mais après tout, ces étudiants, ils n'ont aucune idée de ce que c'est de la recherche. Est-ce qu'il ne faudrait pas leur faire un petit manuel, vous voyez, de 5-6 pages, en leur disant, n'oubliez pas que si vous faites de la recherche, voilà les qualités qui sont requises, est-ce que vous les avez, etc., etc. Alors, ça peut, vous imaginez si... Einstein tombait sur un livret comme ça, ça le ferait rire aux larmes, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose de vrai. Je trouve que dans les universités, on n'apprend pas aux jeunes gens à faire de la recherche. C'est vrai à l'université, évidemment, qui est faible, à mon avis, même s'il y a d'excellents professeurs, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai aussi dans les grandes écoles, à Polytechnique, aux mines, à l'école normale, où il y a les meilleurs étudiants, évidemment, parce qu'ils ont passé tous ces concours, ils ont été un peu sélectionnés, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est que la recherche. Bon, il y a des exceptions, il ne faut pas exagérer. Mais les exceptions, c'est des gens qui apprennent vite, mais ils n'ont aucune idée. Ils se disent qu'ils veulent faire de la recherche. Souvent, c'est les gens curieux, par exemple, j'ai remarqué. C'est des étudiants très, très curieux, ils s'intéressent, ils veulent tout comprendre, etc., comme nous, ici, maintenant. Mais ils n'ont aucune capacité pour faire de la recherche. Malgré tout, parce qu'ils n'ont pas les autres qualités. Il faut quand même avoir être un good researcher. Il y en a très peu qui arriveront à faire des découvertes, malgré tout. Donc voilà ce que je voulais dire. On a vu les étapes de la découverte, brièvement. Les déterminants, on dit le contexte, les machines, évidemment, et la personnalité. On peut en parler, mais c'est surtout amusant de voir les profils tellement différent des chercheurs, c'est ça. Alors, je voulais aborder le dernier point, qui est comment ça se passe dans le cerveau. Alors,
là, c'est un petit peu difficile. Je sais à peu près ce qu'on sait, comment marche un cerveau aujourd'hui, ce qui n'est pas grand-chose encore, mais pour la découverte, c'est encore plus difficile. Mais c'est vrai que je ne vais pas vous parler de tout. Je vais essayer de le décrire dans le petit bouquin que j'ai fait, mais il faut être imaginatif, il faut avoir l'esprit flexible, il faut, les mathématiciens ont insisté sur le fait qu'il faut avoir beaucoup de sensibilité. Ils insistent là-dedans. Einstein, par exemple, c'est pas une logique classique, les grands découvreurs. Il faut relire Einstein ou Henri Poincaré, c'est splendide. Je vais vous parler d'une chose qui est essentielle aussi, évidemment, c'est d'être capable de bien penser, de bien raisonner. Comment est-ce qu'on va... Alors, et puis je laisserai le reste, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas... Je voudrais pas... Il est quelle heure, là? J'ai encore du temps, oui? 5 minutes, voilà. Alors, on raisonne par le raisonnement linéaire, A plus B donne C, A plus B donne C plus D, A plus B donne AB, c'est la synthèse, le raisonnement analogique, le raisonnement synergique, par exemple, A plus B donne AB plus C, et le raisonnement hybride, A plus B donne D. On pense autrement. Mais vous avez aussi le raisonnement déductif, c'est-à-dire que vous avez plusieurs items, plusieurs paramètres, et vous en déduisez de manière logique, c'est une conséquence. Vous avez aussi l'induction, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le contraire. Vous avez une idée qui vous donne plusieurs autres idées. Dans le premier cas, c'est convergent. Dans le deuxième cas, c'est divergent. Le deuxième cas, c'est des probabilités. Ce n'est pas tout à fait de la logique. Et ce qui est assez amusant, si vous acceptez ce que je viens de vous dire, c'est que si vous regardez dans le cerveau, vous avez des neurones qui sont en série, vous voyez, comme le 1, là. Ils sont, c'est-à-dire que l'information du neurone ici est transmise au suivant, C'est le raisonnement linéaire. Vous avez, je vais donner deux exemples ici, regardez le 3, on va commencer par le 4. Vous avez des neurones qui se jettent sur un même neurone. Trois neurones se jettent sur un même neurone. Ça, c'est exactement ce qui se passe quand on fait une déduction. Vous avez plusieurs informations, ici, qui arrivent sur le même neurone, et vous en déduisez quelque chose. Vous avez l'induction... Ah, mais décidément, il ne m'obéit pas comme cet ordinateur. Vous avez l'induction, c'est l'inverse, vous voyez, en 3. Vous avez un neurone, vous avez donc une idée, une information, parce qu'en fait, dans le cerveau, on parle d'information, ce sont des informations exclusivement. Ces informations, comme dans un ordinateur... Hein, ah, mais alors, décidément, je ne sais pas pourquoi ça passe tout le temps. Se jette sur trois neurones, c'est divergent. C'est exactement comme le raisonnement inductif. Au fond, il y a une certaine adéquation, je vais me critiquer, parce que c'est une interprétation grossière, entre les modes de raisonnement, tout ce que vous pouvez imaginer, et la disposition des neurones. C'est ça le message. Alors, vous me direz, mais ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord parce que, comme vous le savez, dans le cerveau, on parle de réseau. C'est d'ailleurs, les informaticiens créent des réseaux en s'inspirant de ce qui se passe dans le cerveau. Et puis, surtout, vous avez des modules. C'est-à-dire, vous voyez là un cerveau, je l'ai décrit, avec des petits ronds à la partie postérieure, ici à droite. Et devant, là, vous avez du noir. C'est le cortex frontal. C'est là que vous avez l'endroit où on prend toutes les décisions. C'est une espèce de centrale qui réunit toutes les informations. C'est un peu comme Étienne de la Boétie et ce qu'il disait à propos de la servitude librement acceptée. En fait, vous avez une partie centrale, et puis il y a des courtisans autour, des princes, des trucs, donc il y a un gradient. Mais à l'arrière, vous avez des modules, vous voyez. Chaque rond, c'est des modules. C'est quoi, les modules? Ce sont des ensembles de neurones qui sont responsables d'une fonction. Alors, je vais vous en dire un mot. Alors, la question qui se pose là, qui est toujours en suspens, c'est savoir, est-ce que le cerveau est autocratique ou démocratique? Est-ce qu'il y a des ouvriers ici, à l'arrière, tous ces modules de neurones, mémoire, langage, machin, avec les sous-types de sous-types? Et puis, c'est le cortex frontal qui décide, c'est l'autocrate. Ou est-ce que c'est complètement démocratique et c'est finalement un cerveau purement statisticien qui prend la...
C'est-à-dire comme un problème d'algèbre, les plus et les moins, etc. Et c'est ça que j'aurais à vous dire, c'est que les neurones votent. Et c'est très intéressant. Voilà par exemple un petit dessin que j'ai fait. Vous voyez, chaque petite figure représente un module de neurones. Alors, module de neurones, c'est des centaines de millions de neurones. Et puis, ils ne sont pas comme des boules, comme ça. Hein. Effectivement, tout ça est mêlé les uns dans les autres. Tout ça est intriqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque neurone reçoit plein d'informations et donne une information. Eh bien, quand il donne son information, parce qu'il reçoit des informations négatives et positives, en fait, il vote. C'est la somme algébrique de toutes les informations qu'il reçoit qui va lui permettre d'agir. Et dans un module, par exemple, prenez la figure qui est là, en réalité, c'est un amas de neurones, et c'est le module qui va voter. Nous avons un cerveau statisticien, c'est-à-dire que, en fait, toutes les décisions que nous prenons, toutes les pensées que nous avons, qui deviennent conscientes, toutes les émotions, c'est un ensemble de neurones dans des circuits que nous savons identifier dans le cerveau, ça on sait faire, qui vont voter. Et c'est la somme de tous ces modules qui va finir par vous permettre d'avoir un discours précis. Par exemple, exactement ce que j'essaie de dire maintenant, de la manière, j'espère, la plus cohérente possible. C'est normal. Dans mon cerveau, là, je reçois des milliards d'informations, de vision, d'odeur, de son, j'entends plein de choses, vous aussi. Et comment on arrive à être tout d'un coup à sortir une chose aussi précise? Eh bien, précisément, comme ça. Ça, c'est votre cerveau avec des plein de modules. Plein. Et c'est la somme, c'est finalement, là c'est représenté sous forme de vecteur, finalement, l'ensemble des, chaque neurone vote, l'ensemble des neurones votent, c'est exactement comme quand on, dans une démocratie, hein, on vote, et finalement on adopte un comportement. Il y avait une question tout à l'heure qui se posait à propos, je peux en reparler dans la discussion, c'est-à-dire, effectivement, nos décisions, je le dis tout de suite, elles ne sont pas seulement raisonnables, elles sont évidemment avec émotion. Entre parenthèses, Damasio n'a rien inventé, hein, il y a bien longtemps, il suffit de relire Descartes, hein, de traiter des passions, c'est pas qu'il négligeait. On dit toujours que c'est l'esprit cartésien. Je ne sais pas d'où vient cette idée-là. Descartes, il savait parfaitement ce que c'était qu'une émotion. Hein. Enfin, Antonio Damasio est ceci étant un excellent clinicien qui est de mes amis. Donc, je lui ai souvent dit. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette idée des neurones qui votent. Alors maintenant, le problème, c'est qu'en fait, c'est quand même un peu compliqué. Ce que je vous dis, ça paraît simple. En fait, c'est quand même plus compliqué. Il faut savoir, voilà, vous avez un neurone, vous voyez, à gauche, avec en noir, le corps cellulaire, avec le noyau en blanc. Vous avez des dendrites, vous avez un axone qui peut faire un mètre, par exemple, le neurone qui naît de la moelle épinière et qui va innerver votre pouce, votre gros orteil. Et puis, vous avez là des terminaisons en nombre. Vous avez, en fait, on peut dire, je vais vous le dire autrement, pas entrant dans les détails, dans un millimètre cube de tissu nerveux, vous avez un demi-milliard de connexions nerveuses. Dans votre cerveau en ce moment, je le dis d'une autre manière, on pourra en parler parce qu'il y a des chiffres, on connaît quand même un peu, vous avez en une seconde 100 millions de milliards de signaux qui défilent, en une seconde. Donc c'est effectivement... c'est rien de dire que c'est un peu compliqué. Donc tout ce que je vous ai dit, ça va paraître probablement infantile, mais je lis ça d'autant plus que ces neurones, là, vous voyez, en réalité, ça ne représente que la moitié des cellules nerveuses. Et l'autre moitié du cerveau est composée de cellules qu'on appelle les cellules gliales. Je ne vais pas vous raconter ça. On n'en parle jamais. On parle l'homme neuronal. Hein, le fameux livre de Jean-Pierre Changeux en 1983, eu beaucoup de succès, parce qu'on ne parlait que de neurones. Mais en fait, il y a aussi 100 milliards d'autres cellules. C'est pour ça qu'avec Pierre Magistretti, on a écrit un bouquin qui s'appelait « L'homme glial » pour faire la nique à Jean-Pierre Changeux. Mais de manière très amicale, c'est un ami. Voilà. Je voudrais conclure, parce que j'ai promis de terminer, en disant trois choses. Premièrement, qu'est-ce qui fait qu'un chercheur est un découvreur? C'est quelqu'un qui pense autrement.
C'est ce que j'ai essayé d'illustrer sur ça. Vous voyez un type, il pense, voilà le performant conforme à gauche, il pense une étoile, elle devient de plus en plus grosse, il a trouvé une grosse étoile, mais c'est toujours une étoile. Puis celui de droite, c'est le performant non conforme. Il pense étoile, étoile, puis il dit non, ça ne colle pas. Et à ce moment-là, il invente un cube. Et c'est lui qui est le découvreur. C'est une image. Hein. C'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que la science est collective. Les découvertes sont collectives. Elles sont non seulement collectives, mais elles sont mondiales maintenant. La France n'est qu'un centième du monde, c'est mondial. Donc, si vous voulez, un laboratoire communique avec le Japon, les États-Unis, etc., etc. C'est un peu comme l'histoire de l'éléphant. Et ce que je dis comme message à nos amis psychologues ou cognitivistes, connexionnisme, etc., je leur dis, faites attention, parce que à force de regarder, si vous voulez, le degré de discrimination de l'imagerie cérébrale est très petit. Vous avez vu les neurones, je vous dis, un neurone, vous avez des 50 ou 100 000 connexions pour un seul neurone. Dans un millimètre cube de tissu, vous avez, je vous l'ai dit, un demi-milliard de connexions nerveuses. Alors, vous voyez, un millimètre cube de tissu, on n'arrive même pas à voir un millimètre de tissu avec l'imagerie fonctionnelle que j'utilise moi-même, enfin, plus maintenant, mais évidemment, qui est une arme absolument formidable en clinique et pour la recherche. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire de la recherche, je pense, qu'il faut faire de la recherche neurobiologique en amont. Il faut que tout ce qu'on fait chez l'homme, il faut d'abord le faire aussi chez l'animal, parce que chez l'animal, on sait beaucoup plus de choses. On peut mettre des électrodes, on peut faire des cultures des cellules, on peut comprendre les interactions cellulaires, on peut faire de la biologie moléculaire, on peut faire de la physico-chimie. Et aussi des mathématiques. Voilà. Et le dernier point que je voulais vous dire, c'est, un, donc, c'est le chercheur, le découvreur, il pense autrement. Deux, c'est collectif. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que la découverte, ça s'apprend. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer ce que j'avais montré la dernière fois. C'est bien joli de dire que ça s'apprend. Mais je vous raconte l'histoire d'Einstein. Vous savez qu'Einstein avait la réputation de ne pas être un très bon élève à l'école. Et un jour, son instituteur, quand il est tout petit, lui a dit « Élève Einstein, combien font 2 plus 2 ?» Est-ce que vous savez quelle a été la réponse de Einstein ? Alors, c'est une blague, hein. C'est Einstein petit, il a dit « MC2 ». Tout ça pour vous dire que ça s'apprend, effectivement. Mais en fait, quand même, il faut être vraiment doué, quoi. Et Einstein, ça ne court pas les rues. Quoi. Donc, c'est quelqu'un qui pense entre mots, mais qui est immensément doué. Il y a quand même des génies, et ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà, pardon, c'est une sorte d'introduction. Je suis à votre disposition, bien sûr, pour échanger avec vous. Merci pour votre attention. Je vais profiter du privilège de... pour dire deux choses. La première, la façon dont fonctionne le cerveau était bien décrite par Jean-Claude Carrière. Il avait l'image de l'ouvrier invisible. C'est donc Jean-Claude Carrière écrivait des scénarios et puis il arrivait à des impasses. Alors il s'arrêtait, puis il revenait 3 jours après et évidemment il avait résolu son énigme. Et il avait dit, j'ai des ouvriers invisibles. Ils sont sympathiques, ils ne se mettent pas en grève et ils travaillent gentiment, voilà. De façon gratuite. Voilà, ça c'est l'inconscient. Oui, c'est ça. Alors ça c'est la première. Oui. Et deuxième petite remarque. Alors, je reviens sur Galilée. Galilée, il a commencé d'abord par regarder la Lune. Parce que la Lune, ah oui, ça se pose. Et puis il s'est aperçu que la Lune, en fait, le sol lunaire était tout à fait analogue au sol. Et alors pourquoi il a regardé Jupiter? Simplement parce que après la Lune, c'est le plus brillant. Ouais. Et là, évidemment, il a trouvé les 4 petits points. Oui, c'est ça. En tout cas, voilà. Alors, merci. Ayant dit ces petites choses, Denis, tu veux dire quelque chose? Je vais lui passer le... Tu veux que je passe le micro? Non, ne bouge pas. Moi, je suis un peu plus valide que toi, pour encore que... Je vous en prie. Merci. Ben, je voulais vous dire un grand merci, parce que
Non seulement c'était passionnant, mais tout d'un coup, je comprends pourquoi ma grand-mère me disait toujours que j'étais dans la lune. Et je suis paresseux et je dors beaucoup. Oui. Et je suis le saltimbanque, en fait, au milieu scientifique. Oui. Bravo. Et c'est tout à fait rafraîchissant. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer la différence entre l'innovation et la création. Ah oui. Oui, l'innovation s'est améliorée. Alors, François Dalle, que tu connais, Jean, pour qui j'avais monté l'Institut international de la prospective, avait comme slogan « saisir ce qui commence ». Et je l'ai convaincu que c'était de l'innovation, ce n'était pas de la création, que c'était... alors que la création... Eh bien, ça vient en effet des profondeurs du sommeil, de l'enfance, de l'environnement, de la mémoire, de la culture, de l'imagination. Enfin. Puis la capacité à changer, à penser autrement, penser différemment. Voilà. Tout d'un coup, on n'est plus dans la logique, on n'est plus. Il faut partir autre part. Et ne pas hésiter à avoir l'esprit flou, c'est-à-dire à raisonner en halo et non plus en raisonner. Oui. De manière linéaire. Je dis en eau trouble, moi. Oui, voilà, exactement. Donc, ce qui est un défaut, alors ça me soulage beaucoup ce que vous dites, parce que c'est considéré comme un défaut, mais en fait, pour le chercheur, c'est une qualité. Bien sûr. Pour la vie courante, c'est discutable. Alors, ça, il faut faire attention, il y a quand même des hurluberlus comme ça, qui sont strictement inefficaces. Il faut avoir beaucoup de qualités supplémentaires, quand même. Le monsieur 1000 idées à la seconde, ça va pas, ça. Non, tout à fait. C'est... Le maniaque, c'est terrible. Ah oui, oui. Il commence à écrire sur les murs les équations. Ah oui, oui, le faux trouveur, c'est terrible. Oui, oui. Ouais. Bien sûr. Un grand merci, en tout cas. Non, j'en prie. Michel. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la conscience? Vous avez parlé conscience, inconscience. On sait qu'il y a maintenant quand même de plus en plus de travaux des neurobiologistes sur essayer de comprendre comment fonctionne la conscience, être soi, enfin voilà. Et il y a une différence entre conscience et intelligence qui commence à être un petit peu élucidée puisque ce n'est pas la même chose. Par exemple, on le voit chez les animaux ont de l'intelligence mais pas de conscience. Est-ce que vous suivez les travaux par exemple de l'école de Nakash et de ces neurobiologistes, et vous pouvez nous en dire des choses un peu plus précises? Alors, Nakash, je connais bien, parce qu'il travaille chez moi. Donc. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il fait, mais c'est purement intellectuel. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions. Je pense que la question de l'intelligence, de la conscience, il y a une intelligence inconsciente et une intelligence consciente, qui sont éventuellement les mêmes, mais pas forcément. Mais c'est un peu compliqué, c'est parce que l'intelligence, déjà, c'est difficile à décrire. Moi, je distingue quatre types d'inconscient. Il y a d'abord l'inconscient, le moins important pour moi, c'est l'inconscient dit freudien. C'est-à-dire, selon les interprétations, car ça n'est qu'une interprétation, comme le disait Freud lui-même, c'est-à-dire des conflits personnels de l'enfance, uniquement de l'enfance, qui sont placés dans les oubliettes, comme il disait, et qui ensuite, à l'âge adulte, résurgissent et font du mal. Et tout le travail du psychologue, je préfère dire que du psychanalyste, enfin du psychanalyste en l'occurrence, c'est d'essayer de faire ressortir ça pour débarrasser. C'est pas toujours facile, et je veux pas faire là parler de ce que je connais quand même pas bien, pas assez bien, c'est la psychanalyse. Mais je pense que c'est une toute petite partie. Si elle existe, parce qu'on ça n'a jamais été démontré, c'est probablement vrai, c'est intuitif, c'est logique, que si on a des conflits cachés, ça vous tourmente quand même. Ça peut revenir à la conscience partiellement, plus ou moins, enfin, on peut imaginer ça. Mais c'est très difficile à démontrer, personne n'a essayé d'ailleurs. Alors, l'essentiel de l'inconscient, c'est le deuxièmement, c'est ce qu'ont fait les psychologues depuis les années 60, et en particulier dans notre institut, par d'abord Stanislas Dehaene et Lionel Nakash et d'autres dans le monde, bien sûr. Et je vous cite une expérience très simple. Si je vois
Par exemple, ce verre d'eau, là, je le vois là. Qu'est-ce qui se passe ? Le verre, en fait, c'est des photons. Je ne vois pas le verre, c'est les reflets que je vois des photons qui arrivent sur ma rétine. Première étape, ils arrivent sur la rétine. Deuxième étape, l'information, c'est-à-dire le verre dans sa forme, dans sa couleur, dans sa disposition topographique, etc., eh bien, ça se traduit par des impulsions électriques dans le nerf optique. Puis ça arrive ici. Quand ça arrive là, le cerveau, troisième étape, décode en plusieurs temps. D'abord, il y a une reconnaissance brute de ça. Aucune idée ce que c'est. Mais on voit, et il y a des malades d'ailleurs, qui vous disent, tiens, c'est blanc, ça a la forme d'un cylindre, oui, on dirait qu'il y a un liquide dedans. Ils sont incapables de vous dire que c'est un verre d'eau. Parce que le cerveau n'a pas encore reconnu. Dans le cortex occipital, il y a la reconnaissance brute, il y a la reconnaissance ensuite de la couleur, de la forme, de la topographie. Puis vous avez encore un stade supplémentaire, c'est-à-dire que le cortex, les cellules vont faire la synthèse de ça dans un endroit un peu plus en avant du cortex occipital. Et votre cerveau va reconnaître le verre. Il va se dire, c'est un verre d'eau. Et ça prend 0,2 dixième de seconde. Ça a été démontré. Mais votre cerveau a reconnu le verre, mais vous n'avez pas pris conscience. Parce que pour que vous en preniez conscience, il faut que l'information qui est dans votre cortex occipital garde le cortex frontal. C'est démontré. Et ça prend 0,5 seconde. Autrement dit, quand vous prenez conscience de ce verre, eh bien, en fait, votre cerveau l'a reconnu 0,5 seconde avant. Autrement dit, la conscience, comme dit Marcel Gauchet, c'est le témoin. Mais votre cerveau, en fait, est une machine qui est capable de reconnaître. Mais elle est capable aussi d'avoir conscience. Ça, c'est plus compliqué de savoir comment se crée la conscience. C'est quel est le code ? Comment des informations, car ce ne sont que des informations, comme dans un ordinateur multiple, quel est le code qui va faire que, tout d'un coup, ça se transforme en pensée ? Ça, je pense, alors je fais une petite parenthèse, je pense qu'un jour, il va se passer pour le code de la pensée, ce qui s'est passé pour le code génétique. Je rappelle que les lois de Mendel, c'était la fin du 19e, et la découverte de l'ADN, c'est 1953. Elle a fallu presque un siècle pour y arriver. Un jour, on va comprendre quelles sont les propriétés physico-chimiques des cellules nerveuses qui font que les informations, les impulsions électriques vont pouvoir donner une impression de pensée. Ça, c'est une deuxième type de conscience. Vous avez une troisième type de conscience, c'est ce que je fais maintenant. Par exemple, vous voyez, je marche, mais je n'ai pas conscience que je marche. Je ne me dis pas, tiens, je vais mettre le pied droit là, je vais mettre le pied gauche là, le pied droit là. Non, ça, je le fais de manière consciente. Voilà. Je peux marcher comme un nazi, je peux faire ce qu'on veut, mais ça sera conscient. Mais quand je marche ou quand je parle, je dis des mots, mon élocution, les mots que je dis, les phrases que je dis pas, tiens, je dis, J-E, plus loin, D-I-S, tout ça, c'est automatique. Parce que tout ça, je l'ai appris, comme tout le monde, on parle sans s'en rendre compte. Donc l'essentiel de notre comportement moteur, la marche, la gestualité, l'élocution, le visage, qui est un reflet de toutes nos pensées, de nos émotions, tout ça, c'est automatique et non conscient. C'est un troisième, moi j'appelle ça la subconscience. Et puis, il y a un quatrième inconscient qui est peut-être le plus important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le cerveau, c'est une machine à penser, à émotion. Il travaille nuit et jour avec une énergie phénoménale par rapport aux autres organes. Autrement dit, il produit des pensées, des émotions tout le temps. Seulement, on n'en a pas conscience. Et c'est ce qui explique l'oubli bénin. Et c'est que je vous ai dit que tout le monde a eu, je suis sûr que tout le monde a déjà eu des oublis bénins, c'est tout à fait banal. Mais ce qui explique aussi le mécanisme de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui se passe dans l'inconscient. Moi, je vois ça comme ça. C'est provisoire, mais c'est beaucoup plus compliqué que simplement
de se dire il y a un inconscient, inconscient. Voilà. Et si c'est, j'essaie de le faire comme ça, c'est parce que les systèmes de neurones, les modules de neurones, ceux qui votent, qui sont responsables de ça, sont différents dans les autres cas. Par exemple, le fait que je marche de manière non consciente, comme ça, tout en parlant, puisque je me concentre sur ce que je dis, mais je marche, en réalité, c'est un cinquantième du cerveau, à la base du cerveau, qui est énorme chez les reptiles et les oiseaux, qu'on appelle les neurones de la base, qui sont responsables de ça. Ça désengage mon cortex. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les gens, quand ils parlent, ils marchent. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait avec Roger Paul Droit notre bouquin. Pardon, je ne parle plus, mais... Parce qu'on a eu un débat, je dévie un peu, ça ne vous ennuie pas, avec Roger Paul Droit, parce que lui dit, quand je marche, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans ma pensée. En fait, dans ma pensée, je marche. C'est-à-dire que j'avance avec des déséquilibres rattrapés, dit-il. Moi, je lui dis, mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Moi, quand je marche, je pense. C'est pour ça qu'on a appelé le livre « Je marche, donc je pense ». C'est-à-dire, et ça, j'ai des raisons de le penser, parce que dans votre cerveau, quand vous faites fonctionner la partie automatique de votre cerveau, qui vous fait marcher, qui me permet de parler sans réfléchir, je réfléchis à la pensée, mais pas à l'élocution. À ce moment-là, je désengage mon cortex et je suis plus libre. Ce qui fait que, je vais même me confier à vous un petit peu, quand je suis bloqué, moi, pour penser, je vais me promener. Je prends un petit bout de papier, un crayon, et je note... j'ai plein d'idées qui arrivent à ce moment-là. C'est formidable. Alors, le problème, c'est que quand je rentre à la maison, je relis ce que j'ai pris. Généralement, c'est idiot, mais ça ne fait rien. Mais parfois, il y a des idées. Et ça, c'est... Voilà, c'est juste pour raconter le débat qu'on avait avec cet ami philosophe. Merci. Merci d'abord de nous avoir... d'avoir éclairé les chemins neuronaux de la découverte. Vous avez beaucoup parlé des mathématiques, des mathématiciens. Je ne suis pas mathématicien, je suis physicien. Mais leur objet d'étude aux mathématiciens, il est abstrait, en général. Hein, ce sont, mettons, en topologie, des surfaces à plus de 3, 4, 5, 6, 7 dimensions. Donc, ils ne peuvent pas vérifier par l'expérience leur démonstration. Ils peuvent... vérifier leur démonstration, c'est d'où aussi, je dirais, le nombre de pages de leur publication, qui en général sont une centaine de pages. Il y a aussi un certain nombre de physiciens qui font des expériences de pensée. Alain Aspect en a parlé à propos de la physique quantique. Bon, c'est la fameuse expérience infaisable de Schrödinger. Il enferme son chat dans une boîte obscure. Il y a une petite flacon avec un produit radioactif qui brise un poison, une ampoule de poison. Le chat, et c'est aléatoire, le chat, il soit mort, soit vivant. Donc, il est dans deux états, à la fois mort et vivant, etc. Donc, y a-t-il pour ces... Et c'est infaisable, hein, la SPA n'autorise pas de faire, évidemment, cette expérience. Est-ce qu'il y a des mécanismes, je me réfère à votre petite carte des neurones que vous avez montrée, pour ces, disons, objets abstraits, raisonnements abstraits sans vérification possible, est-ce qu'il y a des mécanismes neuronaux spécifiques? Je fais une petite remarque à ce que vous dites. Il se trouve que je côtoie Alain Aspect régulièrement et je lui ai posé des questions justement sur ça, parce que le code de la pensée... Comment des informations vont pouvoir donner une information qui devient consciente? C'est ça qu'on va appeler le code. Et je me disais peut-être que les mathématiques que j'utilise normalement, moi, un peu comme tout le monde, ne suffisent pas. Et je me dis, est-ce que par exemple, la physique quantique, est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer la physique quantique à ce code de la pensée? Alors, son avis est non, parce que pour des raisons différentes, c'est que si j'ai bien compris, il faut être à des températures très faibles, etc. Enfin, peu importe. Mais je lui ai dit quelque chose qui l'a fait rire, parce que moi, l'idée que j'ai eue de ça, c'est simplement, si vous prenez un cube, on peut dessiner un cube. Pardon. Voilà. Vous dessinez un cube dans l'espace. Voilà. C'est un cube dans l'espace. Le cerveau est incapable de voir les deux images. Vous le voyez soit de face, soit...
soit de derrière. Vous avez deux manières de le voir, hein, le cube. On peut voir cette surface ici devant, on peut voir cette surface ici devant. Mais on ne peut pas faire les deux à la même chose. Ça rejoint l'histoire du chat de Schrödinger. Alors il m'a dit, mais c'était l'exemple de Schrödinger. Il disait, le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Et pourtant, là, il y a deux manières de le voir. Donc je croyais avoir une idée géniale, mais enfin, c'était pas Gauss, c'était... Il m'a dit que je crois que c'était Planck, l'absolvette Planck. Enfin, peu importe. Donc, moi, je ne sais pas résoudre ça, et je pense que... voilà, cette petite remarque. Alors, la deuxième, pour répondre à votre question, moi, je pense que les idées abstraites, les concepts, c'est exactement comme une image, comme c'est simplement un langage particulier. Il est très abstrait, mais après tout, le langage des phonèmes qui donnent des mots, qui donnent des phrases, qui donne ceci, qui donne un sens, c'est un langage. Vous avez un langage qui est très particulier. Je verrai une certaine analogie. Maintenant, je suis incapable de répondre à votre question. C'est clair, c'est peut-être une question très importante, je ne m'en rends pas compte. Oui, alors les internautes ont posé des questions. Alors j'en ai trié certaines auxquelles vous avez déjà répondu. Donc j'en ai sélectionné juste une ou deux. Enfin, qui sont d'ailleurs reliés. Il y en a une qui demande comment expliquer que les gens ont souvent les mêmes idées en même temps. Je pense que vous y avez un peu répondu. Comment expliquer que les gens ont souvent les mêmes idées en même temps? Alors je sais, vous avez parlé du contexte. Je sais ce qui est sous-jacent. C'est la classe, c'est une idée reçue contre laquelle je me bats toujours, enfin, comme tout le monde. C'est qu'il y a une transmission de pensée. Donc, comme par hasard, ah oui. Là, vous pensez ça, c'est pas par hasard qu'on pense tous les deux la même chose. Donc, en fait, ce que vous avez pensé, vous me l'avez transmis, ou c'est moi. Ça, ouais. Mais ça, c'est idiot, ça. Ça ne tient pas debout. En revanche, l'explication est évidemment pareille. Je vous donne un autre exemple. Les découvertes scientifiques, tout le monde les fait en même temps. C'est pour ça qu'il y a des compétitions énormes. J'ai une grande expérience. On est là à une semaine près, notamment dans le domaine de la génétique moléculaire, par exemple, qui est une partie de mon groupe. On trouve la mutation responsable d'une maladie. Et puis, paf, 15 jours avant, vous avez un type qui trouve la mutation qui est publiée dans Nature. Il y a un type qui a travaillé pendant 3 ans. C'est des désespérés. Hein? C'est le contexte. C'est le contexte, oui, vous en avez parlé. Voilà. Alors, il y a une autre question qui rejoint peut-être celle-là, mais c'est presque l'inverse. Comment sortir du cadre? Sortir du cadre, bon, pas précisé. Pour penser différemment de nos contemporains, quelle est la méthode qui permet de penser autrement? Je me permets de vous poser la question, peut-être vous allez répondre. Moi, vous avez vu, je n'ai pas la réponse, finalement, parce qu'on a beau faire une analyse de... Moi, je connais bien la psychologie, donc des profils psychologiques, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est un ensemble très complexe qui fait que ça... Alors, il y en a qui sortent bien, mais finalement, expliquer le génie de Einstein, de Planck et des autres, de Ludwig van Beethoven ou de Picasso, si vous voulez, on n'est pas assez intelligent. Moi, je pense qu'il y a une chose que les gens ne savent pas assez, c'est qu'on n'est probablement pas assez intelligent, simplement. C'est vrai, on a une intelligence limitée. Là, il y a des types qui sont quand même beaucoup plus intelligents que nous. C'est comme, moi, je fais la comparaison avec les coureurs, par exemple, de marathon. Bon, je ne sais pas combien vous faites au marathon, mais si on courait tous les deux un marathon, on mettrait 10 heures. Bon, moi, j'imagine, à peu près, on est nul, quoi. Bon, même si on fait de la course tous les jours, un petit peu, juste pour s'entraîner, en faisant en trottine comme ça, bon. Mais il y a quand même des Kenyans qui arrivent à faire ça en 2 heures. Et il y en a très, très peu qui arrivent à courir en 2 heures. C'est des génies. Ben, je trouve que pour l'intelligence et pour la découverte, c'est pareil. On va... Je vais être brutal. On s'arrête là. Bravo, Yves. Merci. Formidable.